Depuis la création de l'organisme au Québec en 1970, des dizaines de milliers de vies ont été touchées par Portage. Je suis venue à Portage parce que je voulais arrêter de consommer. Et puis, j'étais pas capable par moi-même. J'ai fait un passage psychiatrique. Donc, j'ai été suggéré fortement par mon psychiatre de venir suivre un programme à TSTM. Je consommais beaucoup toute seule. J'avais tout perdu, pas mal. Mes amis, mon travail, ma famille. Puis personne n'avait confiance en moi. Puis moi, ben, je me sentais perdue. Je consommais jusqu'à plus en être capable, là, jusqu'à l'épuisement. Je pouvais passer des jours et des jours debout, sans dormir, sans manger. J'étais très malheureuse. J'avais plus de famille près de moi. Puis j'ai tombé enceinte de Shelly. Puis j'avais déjà un enfant que j'avais perdu. Donc j'ai été chercher de l'aide à partir de ce moment-là. Si j'étais pas ici, je serais probablement dans la rue. Peut-être même en prison ou encore mort. Je m'en allais de plus en plus vers le suicide inconscient, là, si on veut, sans vraiment le vouloir, puis sans m'en rendre compte. Là. L'approche du traitement de Portage repose sur le principe de la communauté thérapeutique. Le modèle de la communauté thérapeutique est basé sur un phénomène de modèle et de pairage. En fait, notre rôle, nous, c'est de les accompagner parce que le principe de la communauté thérapeutique, c'est un principe d'entraide où entre eux, les usagers s'aident et partagent et s'accompagnent dans une hiérarchie où il y en a qui ont différentes étapes de passer durant le programme. Bien, c'est sûr que les jeunes ont tous une dépendance, soit aux drogues, à l'alcool ou aux jeux. Mais ils ont aussi multiples problématiques, que ce soit avec la famille, au niveau scolaire. Plusieurs problématiques sont possibles. Donc, on travaille beaucoup sur la capacité de l'adolescent à développer des habiletés sociales. Je pense que j'apprécie le plus. Là, on apprend à faire confiance aux autres, on apprend à se faire confiance, on apprend à aider les autres qui ont du mal en dedans d'eux, qui ne savent plus trop quoi faire. Là. On parle de tout ce qu'on vit, nos blessures du passé, tout ce qu'on a besoin de parler. C'est pas juste pour arrêter de consommer, là, ça change les comportements, les attitudes. Là. C'est donc devenu un lieu tout à fait approprié pour que les jeunes adolescents puissent à la fois guérir un problème, mais ne pas perdre de scolarité. On a des adultes de tout milieu social. C'est des personnes qui ont un problème de toxicomanie et qui viennent travailler un problème de gestion émotive. Maintenant, je suis capable de gérer des émotions. Je suis capable de m'exprimer ouvertement avec du monde. Juste le fait de sourire, c'était quelque chose de nouveau chez moi. Ça va faire 4 ans bientôt que je suis abstinente. Puis j'utilise toujours mes outils. Je mets toujours en pratique ce que j'ai appris ici à Portage. Je pense que c'est vraiment important de continuer. C'est le reste d'une vie, c'est un travail d'une vie. Le profil typique d'un usager ici, c'est des mères toxicomanes ou polytoxicomanes, soit enceintes ou accompagnées d'un enfant avec eux ici au centre. Mon rôle ici, c'est de faire du coaching parental, de supporter les mères dans leur rôle, de les aider avec leurs enfants, parce que souvent les enfants vont arriver avec des retards de développement ou des troubles de comportement. Ma vie a changé vraiment dans ma relation avec mon fils. Je me sens beaucoup plus valorisée, je me sens beaucoup plus proche de lui. J'ai plus confiance en moi dans mon rôle de mère, puis je me sens moins coupable. Mais c'est sûr et certain que si j'avais pas pu faire une thérapie avec mon enfant, j'en aurais pas fait parce que moi, je suis monoparentale, alors il y a juste moi dans la vie. Ça représente tout. Que c'est ça qui m'a tenue puis qui m'a aidée à avancer là-dedans, parce que je voyais eux autres grandir. Puis en même temps, oui, tu reviens ici pour t'en sortir toi-même, mais tu viens pour apprendre à être une mère, tu sais, puis ça m'a vraiment aidée. Le profil typique d'un usager au TSTM, c'est un homme adulte qui a un problème de santé mentale diagnostiqué et une problématique de toxicomanie.
Les psychiatres sont impliqués de la première journée que l'usager y arrive chez nous. On prend soin de le côté toxicomane, les psychiatres prennent soin de le côté de santé mentale. Après une intervention avec mon équipe médicale et mes parents, ils ont décidé de m'offrir cette chance-là. Et je l'ai pris, j'ai décidé de faire démarche avec Portage. Ma vie a changé au niveau plan émotionnel, les relations interpersonnelles, puis les relations avec ma famille surtout. Et quand on les voit atteindre les étapes et retourner actifs dans la société, c'est une grande fierté. Surtout d'avoir cette fierté dans leurs yeux aussi, parce qu'ils sont pas juste, ils n'ont pas juste vaincu un problème de toxicomanie, ils sont devenus des citoyens à part entière avec une occupation, avec des défis, avec des challenges. Et ça, je pense que c'est la plus belle partie. Je pense que le jour où on comprend qu'on est là pour soi, tout en pensant aux autres, ça met un certain temps, mais ça marche. Et il faut donc que nous soyons persistants et que nous accompagnions tous ces intervenants et intervenantes et sachions leur marquer notre reconnaissance parce qu'ils apportent une contribution sociale considérable. C'est un organisme extrêmement bien structuré, bien géré, qui a une rigueur dans sa gestion budgétaire et dans la livraison de ses services. Elle mesure les résultats de son action auprès des gens. Portage, c'est un organisme qui est tellement généreux, qui donne tellement. Juste pour moi, on m'a sauvé la vie, on m'a donné une carrière. Je connais pas de meilleure place. Dans un mot, Portage est une famille. Portage est la maison des sentiments. Portage, c'est de l'entraide. Portage, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Portage, sérieusement, ça a vraiment changé ma vie, là. Je pense que la meilleure chose qui peut m'arriver. Portage est une bouée de sauvetage qui m'a permis de ne pas me noyer. Portage est une renaissance. Portage est une place où on peut réaliser nos rêves. Ça nous permet de voir la vie d'une autre façon, puis que oui, la vie est belle à vivre. Je suis contente parce que je me rends compte que je vais être une vraie mère, tu sais, accomplie. Je me sens fière parce que j'ai travaillé fort justement pour l'atteindre, puis j'ai hâte. Que pouvons-nous attendre de plus pour nous engager et nous convaincre que nous faisons œuvre utile avec Portage?